Tant, arrête, je regardais mes parents chialer devant la télé, ça fait quelque chose. On est sur la lune. Ça va. Tu sais, je me disais, si les ordures qui nous gouvernent sont capables de leur faire gober que l'homme est allé sur la lune, bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Tu vois. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je me mets à la place des mecs de la NASA, bon bah, toi tu te couches pas avec un carré d'as dans les pattes. Tu continues à plaisanter. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table. Je suis tout sûr. Non, mais... Tu sais, j'étais livré à moi-même quand j'étais petit. Je regardais mes parents, tu sais, ça fait drôle. Comment expliquer à ces deux personnes, a priori adultes, hein, que la seule façon d'aller sur la Lune, bon, mais c'était d'éteindre la télévision et d'aller dormir. Il n'y a pas d'autre façon de te déplacer sur la Lune. Comment ne pas flairer l'arnaque? Attends, tu plaisantes? Ça se voit que ça a été tourné en Tunisie, cette merde. Il y a un dromadaire au fond. Et le coup de la Jeep lunaire, c'est normal? Attends, c'est pas se foutre de la gueule du monde. D'un côté, ils obligent les astronautes à faire des régimes pour perdre 50 grammes. De l'autre côté, ils embarquent une Jeep lunaire. Vas-y, monte ça sur la galerie, ça va tenir. Allez, faut qu'on y aille, il est là, là. Et puis, le tout pour faire 50 mètres sur la Lune. Tu le vois avec cette Jeep lunaire, il fait deux dérapages. Joint de culasse, merde, allez, on finit à pied. Pourquoi pas un cheval lunaire? Non, non, mais... Par rapport à l'histoire américaine, leur connerie de Far West. Tu prenais un vieux canasson, tu lui mets un bocal à poisson sur le crâne. Allez, gambade, l'autre, il partait. Enfin, moi, je suis en vérité totale, je dis ce que je pense. Il y en a peut-être qui croient que l'homme est allé sur la Lune, il n'y a pas de problème. Vous croyez en ce que vous voulez. D'ailleurs, Jackie, mets un peu de lumière. Qui croit que l'homme est allé sur la Lune? Levez la main pour voir. Ouais, ben mais laisse-le, enfin, il a le droit d'y croire. C'est quoi cette façon? Il croit, et alors? Mais vous avez raison de croire, si t'as envie, si ça te fait du bien. Ah, il y en a qui croient pas, bon ben voilà. Chacun doit pouvoir croire en ce qu'il veut, c'est ça que je comprends pas. Si t'as envie, le Père Noël, la petite souris, le 11 septembre, et alors? Non mais, et alors? Si ça te fait du bien, c'est ton doudou. Je comprends pas qu'on se foute sur la gueule à cause de croyances, ça m'énerve. C'est incroyable, toutes les guerres de religion qu'ils sont en train de mettre en place. Moi, je vais te dire, je crois dans toutes les religions aujourd'hui. J'emmerde tout le monde. Moi, la semaine dernière, j'ai fait Ramadan. Ouais. Ah, c'était pas le moment, c'est pas la question. Tout de suite. Non, parce que, écoute-moi, j'ai une voisine qui est islamophobe au dernier degré. Depuis les attentats, elle est possédée, l'autre. Donc moi, ça m'attire, c'est comme un aimant, toi. Donc à chaque fois que je la croise dans le jardin, je la calcule, comme ça, et je fais la prière, comme ça. L'autre, elle dégueule dans les rosiers, je te jure. Puis j'ai les gosses derrière, ils sont taquins, je te cache pas. Quoi. À la Walmart, on va te décapiter, quoi. L'autre, elle s'est jetée dans les ronces. Oh, le chien de la casse. Elle est revenue. Tu sais, elle a tapé à la porte. Ça, il faut qu'on parle. Je lui dis, s'il vous plaît, madame, c'est Ramadan. Il est interdit de parler à des cochons. Elle s'est tirée, elle est rentrée chez elle, elle gueulait. Ouais, j'appelle la police. Je lui dis, allez-y, madame, ils connaissent l'adresse.